I'm on the east side rolling with my west side niggas. West side, west side, west side. We just trying to do it big like the best side niggas. Best die, best die, best die. And the fed looking pretty, they don't catch my niggas. I pray they don't catch my niggas. Might pull up on the corner like catch my nigga. And burn his bitch down like left side niggas. Ouais, c'est carré, vas-y go. Ça part en course poursuite. C'est parti, vas-y Uzi, bah, on te suit de loin. Va, on te suit ouais, de loin. Va dans le centre-ville quoi. Et pas de base. Ouais. Moi appelez-moi Big Maman. Ok, Menace moi c'est et... Double Whooper ce soir. Moi c'est pas. Moi c'est Qatari. Non mais vous avez pas besoin les gainers, c'est juste les mecs à l'intérieur. Les 4 mecs à l'intérieur, donc Oji on l'appelle comment? Je sais pas, tu veux quoi comme nom? Attendez, on le suivre de plus loin. Cloud. Appelez-le G.O. On va l'appeler Small Cock. G.O. These Nuts. On va l'appeler Negro. J'ai une idée, vous l'appelez. Negro 1, Negro 2, Negro 3, c'est bon hein. T'inquiète. On t'appelle, vas-y, on t'appelle sans contour, ça te va, man. Ma merde. Hey, c'est énervé. Tu vas voir. Pardon. Hey, je t'appelle très sur plein pied. Hey, non, arrête. La rue. Tu fais Trix Clay Davis. Non, c'est que Davis est donné. Non, écoutez-moi. Binko Ballas, il y a une voiture de cops. Ah, vas-y, demi-tour, la fugitive. Elle est remontée vers le LTD Milation. Vas-y, bah bombarde la fugitive. Okay. Là, elle est toujours au c'est niveau parti, de la les gars, c'est la guerre, ça fait plaisir. Incroyable, la scène va être incroyable, toujours l'événement va être incroyable, chaîne. Tout va être incroyable. Soyez prêts, soyez prêts. Toujours au niveau de la insane, ça tourne gars, à gauche au niveau du LTD. Enfin, j'espère après. Elle est partie à droite, elle part vers le chantier. Chantier Séoul. Vas-y, fais gauche-droite. Non, c'est droite-gauche, chantier Séoul. Fais demi-tour. Ah, le chantier c'est Séoul. Le chantier Séoul entre notre quartier et LTD. Va à gauche. Attends, faut qu'on le colle moins. Je vois, LTD, attends. T'es où? Côté LTD, elle va passer maintenant, là, je suis ici. Là, okay. Non, là, elle est. En fait, quand tu pars du LTD pour aller vers chez nous, tu vois, et ben, il y a le chantier, c'est juste là, exactement. Là, elle fait une marche arrière, là. Elle bouge. Elle va prendre à droite à la place du LTD, là où ça va. On garde un peu de distance. Ouais. Donne-nous un feu vert, Uzi. Vas-y. Là, elle part, elle prend le pont. Ouais, bah tu l'as vu, c'est bon. Ah, c'est bon, tu l'as vu. Putain! Allez, c'est bon. Vas-y, arrêtez-vous. Attends, tranquille. Reculez un peu. Je veux dire quand ça sort. Hein. Mais putain, mais vous appuyez! Je suis mort, il a fait un truc de merde. Ça sort. Allez go. Ok, on y va, go. C'est parti. Viens avec nous, Spence. Je passe à droite. Ah putain, mais vous êtes sortis d'où? Levez vos mains, levez. Ah, vos mains, levez vos mains. Montez dans les caisses, bande d'enflure. Un dans chaque caisse. Fais vite. Va. Hop, rentre à l'arrière. Oui. Rentre à l'arrière. Ça se déroule bien, c'est bon. C'est parti. Ouais, jure, on a eu 19. Dépêchez-vous, go. Station unicorn ou. Non, là où on a fait l'accident. Ah. On va une pause. Qu'est-ce que vous me voulez? La vie de ma mère, toi t'es pas prêt, enculé. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement les man ici, doucement. Bon les gars, je vais couper les alertes de sub. Merci à tous pour les subs les gars. Je vais couper dès qu'on va commencer la scène pour le bien de vos oreilles. Merci encore énormément les gars pour les subs. Je vous kiffe. Merci Doom, c'est Wen la vitesse et tout. Merci à tous les gars, c'est insane vraiment. Je vais juste couper les notifs parce que comme ça au moins on va pouvoir voir ce qui se passe. Pourquoi il se met dans le cul frère? Je comprends pas. Ouais. Vous avez mis la mule qu'on voit là, c'est bon. Spence, je vous attends quand allez, même descends, à côté, histoire que le Superman qui l'a sur ok les gars, j'enlève les notifs de sub. En tout cas, merci les gars, je sais pas quoi vous dire, mais merci non. Allez, viens. Voilà, mets-toi contre le mur ici, là. Ouais, d'accord. Laisse-moi, s'il vous plaît. Mets-toi contre le putain de mur, enculé.
Doucement, monsieur le sergent, s'il vous plaît, monsieur. Putain de merde. Toi, c'est un sergent en plus. Ta gueule. Eh, m'oblige pas à crier, mec. Hein. Bon, maintenant, on va faire un truc rapide. On va faire un truc rapide, efficace. On va appeler le CNN tout de suite. C'est bon. C'est quoi vos matricules? Matricule 19, sergent Beckett. Putain. Rocky 66. Bonne pioche. Ça fait plaisir. On va s'occuper de vous comme il faut. T'as une coupe, mec? Bon, on dirait, tu sais. On dirait rien en fait. Moi, j'y réponds pas. Jure. C'est, la merde. C'est clairement la coupe des Renoirs. Attends, mais comment ça se fait? Ils répondent pas. One, j'écoute. Ici le Family's Gang à l'appareil. On a sous le canon 19 et Rocky 66. On est à un endroit bien caché. Si vous répondez pas à mes demandes, je vais les fumer maintenant, c'est bon? Vous m'écoutez bien? Oui, c'est quoi vos demandes? Alors. Vous allez contacter le CNN et vous allez me les envoyer à une position que je vais vous indiquer. C'est bon? Ok. Ça marche. Si vous leur direz de rentrer, on va venir les chercher. Vous leur direz de rentrer, on leur fera pas de mal. Par contre, si vous faites de la merde, on va fumer vos putains de cops. Là, j'ai le sergent, je sais pas quoi, Becker, là, 19. Et le... Ouais, sergent Bucket. Et 66. Ok. Ok. Ramenez-moi le CNN avec une caméra, un micro, prêt à être en direct sur toutes les télévisions de Los Santos. Pas de soucis. Je vous donne un numéro, vous me rappelez dès que vous avez le bail, c'est bon? Allez-y, pas de soucis. 31-094. Ok. Families. Ok. Et tout de suite, appelez-moi dès que c'est bon. Pas de soucis. Ok, vas-y, retournez-vous, baissez vos mains, là. Putain, la vie de ma mère. Avec tes lunettes, là. Incroyable. 19, la vie de ma mère, bonne pioche, hein. Quel hasard, ça fait plaisir. Quel hasard. Aïe. En tout cas, ton nom court dans les rues, hein, sache-le. Sache-le, petit enculé. T'es le man qui a ramené des négros à nous dans les ruelles, qui les a fracassés, qui les a frappés à la matraque de nombreuses fois, qui a fait de nombreuses bavures au sein du LSPD. Oh, réponds, là. N'est pas la mémoire courte, je vais te raviver la mémoire, hein. Tu vas voir. J'ai pas très bien entendu avec votre foulard, bon, si vous pouvez juste parler, s'exprimer plus fort. Écoute-moi bien, la vie de ma mère. Ouais. T'as pris des négros dans les cellules, tu leur as mis des coups de matraque, tu les as emmenés dans des ruelles en enlevant ta radio et t'as voulu les niquer. Maintenant c'est comment? Maintenant c'est comment? Le Family's Gang, il est devant toi, il est prêt à te fumer. On a peur ou quoi? Hein, tu crois c'est un coup de matraque qui va arrêter le Family's Gang? C'est pas possible. Je pense que vous trompez de personne. Je me trompe pas, mon pote. Je ne me trompe pas. Sache que je ne me trompe pas. Tromper de personne. On s'assure. Tromper de personne. Je crois qu'on va lui rafraîchir la mémoire. Je crois qu'on va lui rafraîchir la mémoire. Vas-y, viens. Rafraîchis-le. Vas-y, viens, ta grand-mère, là, 19. Là, mets-toi dans le bac. Mets-toi dans le bac, mets-toi là-dedans. Mets-toi dans le bac, mets-toi. S'il vous plaît, je la vie de ma mère rentre. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oh non. Dépêche-toi, là. Dépêche-toi, c'est juste des vis, là. Rends pas fou. Allez. Vas-y. Allons-toi dedans, là. Fus. Viens dans le truc. Viens dans le truc et nique-lui sa mère, là, ce fils de chien. C'est ouf, lui. Vas-y, casse-lui les dents. Bon, vas-y, fus. Et toi, c'est comment? T'es rookie, c'est ça? Oui. Ok, ok. T'es au courant que ton sergent et de nombreuses personnes au sein du LSPD martyrisent des noirs comme nous. Des man de quartier qui détestent certainement. Raté. Ah, man. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir payer ce qu'on vit au quotidien de notre côté. Hein. Il va falloir le payer. Si, il l'a fait, 19, il l'a fait. Bien dans les clous comme ça. Hein? Tu crois que c'est un exemple d'avoir un sergent que tu peux considérer comme un formateur, comme un père, un négro qui va t'apprendre les choses, alors qu'il tabasse des man. Il vient à un forum, il insulte des négros. J'imagine, il va pas me le dire, monsieur. Il va pas te le dire, mais t'es très bien au courant. Aux États-Unis, ça se passe tous les jours. Tous les mois, il y a un négro qui meurt aux États-Unis juste par sa couleur de peau. J'ai peur des vidéos. Donc arrête, t'es au courant. T'es au courant et tu continues à agréer. Ok, nous de notre côté, tout se passe bien. Non, je comprends très bien votre situation, c'est effectivement okay, double balls. Balls. En tout cas, vous allez payer pour. C'est 5 sur 5. Vous allez payer pour tous ces gens qui sont 6 et qui nous baissent, quoi. Tout simplement.
On a pris l'étage de 3. Bon. Je vais commencer à m'impatienter par contre. Attends, j'ai peur qu'on se fasse voler la moto. Allez, montez là, montez dans les caisses, montez dans les caisses. Ah, man, parce que les pas en place encore. On va aller chercher des négros. T'as de la marche parce que là on a pas encore récupéré l'équipe ciné, t'inquiète. Ok, ok. Vas-y, avance. Montez dans les caisses. C'est qui gère l'équipe, c'est Anan. On y va là, on va y aller avec les. On va y aller, on va y aller. T'inquiète. Allez, monte, okay, monte. Va dans celle-là. Dans la même, on t'a dit. Dépêche-toi. Sergent Bucquet. Hey, t'as mis ton téléphone et tout sous la banquette, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bon. Tu les jettes par la fenêtre, tu les jettes ici là. Jette-les ici. Demande-le des wings, mon pote. Voilà, jette-les par la fenêtre. Vas-y, c'est parfait. Voilà. J'allais dire refuse. Voilà, c'est parti. Bon les man, je vous explique, on fait un petit aller-retour là juste pour prendre les man du CNN et après on retourne là où on était. Tout là. Je vous donne un signal les autres quand... Ouais ouais. C'est good. Je t'envoie une pause. Signal, ce sera la chanson de la SketchUp. De quoi? J'ai cru entendre des sirènes vite fait dehors. Ouais, des sirènes dehors. On va juste sortir et faire un demi-tour pour se remettre dans le bon sens. Vous pouvez y aller, si on vous dit accélérer les A, les haies, c'est que bon. La sortie allait voilà. Boucher. La SketchUp représente les gars, ok? On va le faire ce soir. Ok, ok Roger. Je pense que Baragoon. Ok, bon. Vas-y les cops, descendez. Gardez-moi les cops ici, je vais guetter l'arrivée. Et je vais appeler la meuf là. 869, je vais l'appeler... flic. En fait, c'est pour qu'il soit. Non, mais en fait, je vais pas appeler. Ah, je vais appeler comme ça, flic. C'est pour qu'il soit tout en haut de mon répertoire que j'ai pas une galère de l'appeler à chaque fois. Oui. Allô. Oui. C'est le Family's Gang à l'appareil. Est-ce que le CNN est prêt là? On les a contactés. On attend une réponse de leur part. Ok, s'ils répondent pas, on va faire un truc. Vous allez me fournir une caméra. Peu importe, okay. Vous allez au LTD, vous m'achetez une caméra et vous me ramenez un cops avec. Qui va tout filmer. Ok. C'est bon. Okay. Ok. Je vous attends à la poste que j'ai envoyée. Dépêchez-vous, je vais pas patienter 40 ans là. T'as 5 minutes. Je suis patient, 5 minutes. Fait plus. Tout de suite. Salut, c'est le Family's Gang. Regarde, oui. Comme tu peux voir derrière, on a ton putain de sergent. Sergent Bucket. Et on a. Ton rookie 66. Donc maintenant, si le CNN n'est pas disponible, ce que tu vas me faire... On a un agent qui est en train d'arriver avec une caméra. Voilà, ce que vous allez faire, vous allez contacter le CNN pour que la vidéo qui va sortir de la caméra soit en direct à la télévision. C'est bon? En direct? Ok, alors attendez, faut que je vois si on a le matériel pour transmettre en direct. Ok, c'est parfait, vous me prenez un négro qui a le matériel pour transmettre en direct. Okay. J'ai pas le temps, okay. Hein. Là faut que ce soit okay, fait dans les 5 minutes. Vite, faites au plus vite. Je et plus vite, vous tout pas. Simplement, après on continuera les négociations. Vous verrez ce que j'ai à leur dire. À la télé, une fois que ce sera fait, j'aurai d'autres choses à vous dire. C'est okay. Bon. Ok. Voilà, faites pas de conneries parce que je vais pas hésiter à les fumer, je suis déterminé. La vie de ma mère, que je suis déterminé, je vais faire une dinguerie. Vous inquiétez pas, voilà. Calmez-vous, restez calme et tout ira bien, ok? Parfait. On attend ça. Frère, merci beaucoup, Véret. Allô. On est à l'extérieur, on tâche. Allô. Oui, bonjour. C'est qui? C'est le Family's. Ouais, Family's Gang à l'appareil, dis-moi, man. Et bonjour, je suis lieutenant Maxon, je reprends les rênes de cette opération, d'accord? Ouais. Je vous informe qu'on a trouvé un membre du CNN disponible, d'accord? Ok. Seul souci, pour des raisons de sécurité. Ouais. On va pas pouvoir. Comment dire, c'est un peu compliqué de vous le lâcher, vous comprenez? Donc non, il faudrait qu'il y ait des unités qui aillent avec lui. Il y aura un cops avec lui. 73, okay. 73 disponible. Non, il n'est pas disponible. Ok, bah là, alors, peu importe, n'importe quel cops, tu me le ramènes. C'est tout. Ne vous inquiétez pas et il ne s'avancera pas dans vos lignes, on va dire. D'accord. Il lui arrivera rien, mon pote. Il posera ses armes à l'entrée. Il lui arrivera rien. Le CNN, moi, je leur veux pas de mal. Je veux juste enfin qu'on voit la réalité à la télévision. Ok. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous voulez retransmettre vous un message en direct, on m'a dit. On va retransmettre un message en direct. Soyez prêts, regardez la télévision, faites ce que vous voulez.
Mais en tout cas, une caisse de corps devant. On leur fera rien. Le CNN, on leur fera rien. C'est pas dans nos objectifs. On a rien à y gagner. Si on les demande, c'est pas pour les buter. Si on les demande, c'est justement parce qu'ils ont un rôle très important. Un rôle médiatique archi important. Un rôle politique important. Donc on les veut. On veut un cops avec, du coup, qui va l'escorter, si tu veux. Et on leur fera rien. On les relâchera. Là, t'as ma parole. Par contre, très bien. Si vous faites une merde, la vie de ma mère que ton sergent Bucket, je le fume maintenant. C'est bon. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dernière précision. D'après le membre du CNN, du coup, ça va être très compliqué de retransmettre en direct. Pas de souci. De votre position. Il enregistre et il retranscrira plus tard. C'est pas grave. Voilà. Donc pour l'alléger un peu, on lui a dit de prendre un téléphone. Donc il sera avec son téléphone. Pas de souci. Tant qu'il enregistre et que ça passe à la télévision, que ce soit ce soir ou demain, j'en ai rien à foutre. Je veux que le message y passe, rien d'autre. Très bien, pas de soucis. Voilà, je vous attends, il arrive dans combien de temps là? Il manipule le truc. 10 minutes maximum. Vous avez 5 minutes. Tu pars à droite. 5, c'est bon. On va essayer de se dépêcher. 22h15, ouais, 22h15, dépêchez-vous, j'ai pas le temps là. 22. Dépêchez-vous. Très bien, monsieur. Très bien. Raccrochez s'il vous plaît. Bon, c'est parti, vas-y, faites monter les cops dans les caisses. Faites monter les cops dans les caisses de. Wow, t'inquiète. Tu la merde, sache-le. Moi c'est Coyote Peterson, putain. Et moi et le policier, monsieur. Ok, c'est parti, on y va tout de suite, on va pas perdre de temps. Ah, pas de soucis, monsieur. Yo, man. C'est bon, j'ai pas besoin de te fouiller, t'as pas d'armes. C'est vous qui décidez, monsieur, je me mets contre le mur, y'a aucun souci. Pose ton gun ici, là, pose ton gun là. Ah, mais il est posé, là. Hein. C'est bon, t'as pas de gun, c'est carré. C'est bon, allez, rentre. Regardez, le holster est vide. On va faire quelque chose de simple. Simple et efficace. On va faire quelque chose de simple, t'inquiète pas. Bah, pas de soucis, hein, écoutez. Oh putain, le coffre derrière. Okay. Non, regarde, regarde ce coffre, tu le vois? Ouais, là je vois le coffre. Saute dedans. Saute dans le coffre. Saute dans le coffre, espèce d'enculé. Okay. Mets-toi dedans, mon pote. Hein, tu crois on allait être bien traité en plus? La vie de ma mère, faut que tu comprennes c'est qui le Family's Gang. Monte dans le coffre, dépêche-toi. Bah. Donne-moi le coffre, s'il vous plaît. Hop, voilà, il est ouvert. C'est carré, monte. Vas-y, mets-le dedans là. La vie de ma mère. Hop, je te balaye, je te mets à terre. La vie de ma mère, tu sais pas monter dans un coffre. Putain, culé, va. Putain. Un coffre, un peu. Allez, viens, toi. Viens, je le mets devant. Viens, monte avec moi. Ça va être un scoop incroyable. Oh là là. Ouais, tu vas voir ce qui va être un scoop. Tu vas voir ce qui va être un scoop. Ça va être simple, mon pote. T'as le matériel qu'il faut. Vous avez avancé, mais je suis pas sûr que vous puissiez repartir par où vous êtes pas. Par où vous étiez là maintenant. Si, on va pouvoir repartir. On vient de bouger là, on repart par l'autre côté, les gars. Bon, par contre, ma caméra, elle est cassée. T'as un téléphone, t'as un bon téléphone. Oui, j'ai un bon téléphone. Ce que tu vas faire, tu vas tout enregistrer, tu me mettras ça, tu me diffuseras ça sur la sienne. À la télévision, où tu veux, dans les journaux. De toute façon, vous dites s'il y a des cops qui commencent à rentrer par. Si t'as le moyen que ce soit en direct, vas-y. Si tu peux pas, tant pis. C'est tout bon, je peux faire en sorte que ça soit. Ok, allez, descends, regarde. Tu vas te mettre contre le mur, ça va être simple. Tu vas te mettre à poil, espèce d'enculé. On veut pas les micros du LSPD ou les GPS ou je ne sais quoi. À poil, tout nu. Ok. En caleçon, dépêche-toi. Vas-y, tu t'en occupes, Fufus. Viens là. Allez, tous les cops contre le mur là, tous là-bas. Je vais te prendre ton gun. Attends, bouge pas. Eh, vérifie qu'il y a un. RP déshabillage. Ah, tranquille, vas-y. Ouais, c'est ça, Allez, Kachou. Allez, viens. Je remets juste mes lunettes là. T'inquiète. Vous pouvez vérifier. Vas-y, pas de soucis. C'est des lunettes de vue. Allez, mets-toi là, personne te verra la caméra en caleçon. Ok. Kachou, je vous plaque ma bite. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi contre le mur là. Hop, parfait. Alors attendez que je lance le petit direct. Oula. Attendez. Ça fait bizarre tout nu dans un tunnel chelou. Ok. Ouais, allez, retournez-vous là les deux. Venez là à la caméra ceux qui veulent. Parfait, nous sommes en direct actuellement. Avec le Family's Gang. C'est parti les man. Bon, ici le Family's Gang les man. Aujourd'hui on vient dénoncer ce putain de racisme qu'il y a aux États-Unis. Comme vous le savez, tous les jours, il y a des personnes qui meurent par des cops qui se font matraquer, qui se font tirer dessus de par leur couleur de peau. Aujourd'hui, on va vous prouver qu'à Los Santos,
On pensait être protégé et servi. Sauf que malheureusement, il y a des cops comme ce genre d'enculé. Sergent Bucket, ce petit enculé 19, qui a matraqué des man à moi, qui les a ramenés dans des ruelles, qui a coupé sa radio, qui a coupé toutes les communications avec le SPD pour pas se faire Ils sont bien armés quand même, hein. Ils ont des fusils d'assaut, mon pote. Il a matraqué un de mes man, il l'a mis à sang. Il a fini à l'hôpital et ce négro n'a rien pu dire. Il était inconscient, il se souvenait justement de la scène. Du 556. Il n'a pas porté plainte parce qu'on est des vrais putains de négros et que nous on règle nos problèmes comme ça. On règle nos problèmes par la violence et on n'est pas des lopsins. Donc maintenant, je vais te laisser la parole, espèce d'enculé de sergent. T'as des responsabilités au LSPD. T'es un formateur certainement pour certains. Tu peux être pris comme un père pour certains cops, des cadets ou je ne sais quoi, des rookies, j'en sais rien comment ça s'appelle. Des cons comme lui à côté là. Hein, des petits cons comme lui. Qui souhaitent être dans le droit chemin, qui souhaitent protéger, servir, qui se font diriger par un putain d'enculé comme toi. Hein? Ce petit enculé a matraqué mes man. Il a matraqué des man qui aujourd'hui sont mal en point. Il les a emmenés en isolement. Et j'ai moi-même été victime de ces putains de violences. Ouais. J'ai été victime et je suis la preuve vivante aujourd'hui qu'on raconte pas du baratin. On viendrait pas ici prendre autant de risques pour le plaisir, les man. Aujourd'hui, on vient montrer ce qui se passe aux États-Unis. Avance-toi, 19, espèce d'enculé. Le vrai visage de la LSPD, le vrai visage, la vie de ma mère. Avance-toi. Avance-toi. Explique-nous ce que t'as fait au négro à Mirror Park. Nous, on a toujours un visage sur l'entrée. Enfin, là où ils doivent se battre. Des noms, ce que tu veux, ce que t'as fait. T'as toujours des cops qui sont en pause derrière leur voiture. Okay, parce que nous, au niveau des canaux, il y a les mules. Je suppose qu'il y a sûrement un très malentendu vis-à-vis des personnes. Ils ont pris sûrement la mauvaise personne dans ce fait-ci. Je pense que ça va être très vite réglé une fois que cette histoire sera terminée, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Tu crois que c'est en disant ce que tu vas dire que l'histoire va se terminer? Elle va se terminer ici, mon pote, avec une putain de balle dans la cervelle. Maintenant, tu vas dire ce que t'as fait. Non, parce que je vais te raviver la mémoire. Je vais te raviver la mémoire, mon pote. Vas-y, plan B, tu sais quoi? C'est plan B, je te plante le couteau dans la cuisson, tu l'es. Ça fait là? Tu as parlé maintenant, tu l'es? Hein? Voilà, c'est comment maintenant? Maintenant que tu l'as dans la cuisson, tu vas ouvrir ta gueule. Et le prochain, c'est dans la gorge. Ouvre ta gueule, t'es mort. Explique ce que t'as fait à Mirror Park il y a quelques jours. Explique. Oui, explique pourquoi tu m'as mis en isolement et tu m'as niqué ma mère. Explique. D'accord. Alors, moi, je vous ai juste ramené à Mirror Park parce que pour régler cet incident qui s'est passé. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une confusion entre la légitime défense et l'attaque et la bavure. Écoute-moi bien. Ok, on part sur les couilles du coup. Hop là. Écoute-moi bien. Je vais pas le répéter deux fois. Devant toi, t'as Trix. Le mec qui a vécu ces coups de matraque. Tu sais qui je suis? Hein? Hein? Trix? Comment? Ouais, Trix. Tu sais qui je suis, espèce d'enculé? C'est moi que t'as matraqué. Hein, c'est moi que t'as matraqué avec un négro, tu t'en souviens? Non, oui, Clinton, oui, tu l'as bien matraqué, hein, Mirror Park. Hein? Non, mais... Les médecins s'en souviennent, arrête de faire l'innocent. Y'a des putains de preuves, mon pote. Les médecins s'en souviennent, ils se souviennent que je suis allé là-bas, que j'avais des bleus sur toutes les jambes. Ok? Donc maintenant, tu vas assumer ce que t'as fait. Les cops, c'est ça maintenant. Les cops maintenant c'est matraquer des mannes qui ont pas la même couleur de peau que vous, alors que vous-même vous avez des renois. Ouais, c'était moi. Et alors? Maintenant tu vas assumer. Tu vas assumer ou je vais tuer devant des milliers de téléspectateurs. Devant les États-Unis entiers, c'est bon. Surf Lava. Je pensais qu'on avait un compromis. Y'a pas de compromis, mon pote, t'as voulu m'attraquer moi. Tu crois que je suis une salope ou quoi? Maintenant assume ou je vais te flinguer devant tout le monde. Qui attaque se défend. Vous connaissez bien. Je te rappelle deux secondes, c'est qui? C'est maintenant là. Attends, envoie-moi un SMS. Envoie-moi quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On est en direct là. France dépêchée, monsieur là. Envoie-moi un SMS, je te rappelle dans 5 minutes. Parle, je te rappelle dans 5 minutes. Voilà. Dépêche-toi.
Arrête de mentir. Ok. Tu sais quoi, on va régler les choses. On va régler les choses comme il se doit. Tu veux pas assumer, mets-toi contre le mur à genoux. Main sur la tête, fils de chien. Est-ce que je peux... Ah, ça m'a donné soif, je peux boire un petit coup avant s'il vous plaît? Donnez-lui, donnez-lui. Merci. Ce serait bête que tu meurs les babines desséchées. Bon, Rookie ou je sais pas quoi là, 66. Donne-nous ton avis par rapport à ça, viens à côté de moi, viens mon petit, viens. Hein? Et Rookie, mon petit déjeuner, ces petits enculés là, à qui on apprend à matraquer des personnes de couleur. Explique-moi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Que ton sergent ce soit un putain de man raciste et qu'il soit prêt à matraquer des man innocents. Bah, je pense que c'est un malentendu. Il va avouer. C'est pas un malentendu. C'est pas un malentendu. C'est pas ce que je veux entendre. Putain, la vie de ma mère. Toi, tu crois encore que t'es supérieur? C'est des. Les sergents avoués, putain, vos merdes là. On va tous se faire buter avec votre histoire là. Bon, c'est bien ce que je pensais. Tu me sers à rien. Bouge de là avec ton. J'ai rien fait. Bouge de là. Mets-toi contre le mur. Et toi là? C'est quoi ton matricule? 51, monsieur. T'es quoi, ouais, l'espidier? Officier 2. Avance. Pose-nous une question. Vous, et après on va se pose-nous une question. C'est pas grave. Vas-y. Désolé. Allez, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de ce putain de sergent? Ton supérieur, il me semble. Inadmissible, on est d'accord. Et qu'est-ce que t'en penses des négros qui meurent tous les jours aux États-Unis par leur couleur de peau? Personne ne devrait mourir à cause de oui. Voilà, on revient à la réalité. On revient au fait que tous les hommes sont égaux. Toutes les femmes sont égales. Les femmes et les hommes sont égaux, même si je peux me permettre. Bande d'enculés. Tout le monde est égal. La vie de ma mère, tout le monde est égal. Arrêtez de matraquer des mannes innocents, des voyous. Oui. La vie de ma mère que je vais rafaler, je vais faire une dinguerie. Mets-toi contre le mur. Le mur. Bon, désolé. Il reste que toi, espèce d'enfoiré. Si t'assumes maintenant, dépêche-toi d'assumer, tu vas mourir. Écoutez, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Les deux mannes là. Celui en slip et 66. Allez derrière la caméra, vers la primo. Allez-y. Bougez. Parlez, sergent, parlez. À genoux. À genoux, espèce d'enculé. Espèce d'enculé de raciste. C'est ici que ça va se terminer, espèce d'enculé. Non. Bon. Nous, notre but, c'est de pas te choquer les personnes qui vont regarder, ce live. C'est ce direct à la télé. Aujourd'hui, on va montrer juste qu'il faut l'égalité pour tout être humain sur cette putain de planète. Peu importe le sexe, peu importe la couleur, peu importe les origines, peu importe la religion. On va vous épargner le spectacle de ce putain de bain de sang. Ce sera le témoin vivant de la lutte contre le racisme. Ferme-la, arrête de chialer. Coupe la caméra. Légitime défense! C'est nickel! Et tu vas voir ici maintenant que ta légitime défense, elle va se finir en légitime défense, espèce d'enculé. Monte dans la voiture. Monte dans la voiture. Les mains en dehors, vous pouvez partir. Commencez à préparer le reste. On va sortir, on va libérer. Vas-y, cap double hopper, on y va. Merci. Hop. Les pieds sont. Vous me mettez tous les mains dans votre voiture là. Le mec du CNN et les cops. Vas-y, va devant, comme ça. Mettez-le dans le coffre. Hein? Tu restes ici? Bah, comme vous le souhaitez. Vas-y, on va te laisser là. Allez, là. Force à toi. Oui, bien sûr, je publierai, vous inquiétez pas. Mais c'est que la connexion passe mal. Vous y quand. Ah, je suis mort. La connexion passe mal. Putain, y'a des cops. Ouais, ça a été annoncé, mais la radio passait pas, je pense. Ah merde. Regardez comment ils sont nuls. Oh, c'est grave. Vous l'avez annoncé, ouais, radio. Mais ça passait pas dans la. J'avais compris, moi, ça passait pas. Pas dans la. Même Nono, il m'a. C'est bon, tranquille. Ouais, mais je pense que c'est. Ok, on va les laisser sortir. Et on va. Là, ce qu'on va faire, on va libérer deux otages et on va garder celui qu'on veut. On va en garder un dans notre voiture. Tu veux en garder un? C'est rien. Ah ouais. Mais non, parce que vous avez passé devant, donc vous allez être...
Non mais tu sais quoi, on en garde un et quand on arrive là-bas, tu connais, ouais, voilà, lui okay. On lâche, il court. Vas-y. On va garder... Ok. Devant, ça va être simple, les cops, là, vous m'entendez bien? Oui. 66. Oui. Quand on va sortir du tunnel, on va te dire sors. Tu sors, tu fais ce que tu veux, tu cours. C'est bon? Non, tu fais pas ce que tu veux, tu sors. Tu fais pas ce que tu veux, t'as compris. Écoute-moi bien, tu sors, ok? Ok. Tu restes bien au milieu de là où t'es sorti, tu lèves bien les mains et tu bouges pas. Voilà, et tu bouges pas, tu te barres. Je te jure que je te mets une tête à toi. C'est quand on sort du souterrain, on lâche. Quand on sort du souterrain, ouais. Ensuite, Beckett, tu ne vas pas descendre. Tu crois qu'on allait te laisser partir comme ça aussi facilement? Wow. Et je vous ai dit que c'était d'ailleurs. La street, mon pote. La street, par contre. Il va falloir être réactif, mon pote. Passe derrière, Jesse. Je vais te libérer un moment ou un autre. Ouais. Je vais te libérer un moment. Tu devras sortir instantanément. Quand je te dis bouge, tu bouges. C'est bon. C'est bon, 19. Moi? Ouais. Échangez vos places là, Fufu et 19. Je veux qu'il soit à droite. Vas-y, mets-toi à droite là. Mets-toi à droite. Oh. Mets-toi à droite, 19. Voilà. Parfait. Vas-y. Vous savez ce qu'il nous reste à faire. Attends, oui, passez devant. Pardon. Il est pressé, cet enfant. Alors attendez, Ouais, bah on bombarde. Hein. C'est parti, les man, on va sortir. Radio, on sort là et on va être suivi dans la foulée. C'est parti, les man, on sort, let's go. Ok, on en a toujours un et ça va nous suivre. Va à droite, tu connais l'itinéraire. C'est vrai que pour là, t'en es en place. C'est parti là. Tout le monde est en place. Ah ouais, tranquille. 19, prépare-toi à sortir, espèce d'enculé. Et crois pas que tu vas t'en sortir comme ça. Crois pas. Freinez un petit peu, j'ai un peu de retard. Vas-y. 19, ça a l'air tranquille. Quand tu dis, quand tu sors, vraiment. Plus rapide possible. Oui. Sinon, bon. Dites ma mère, je t'ai mis. C'est la fin, mon pote. Les c'est la fin, 19, espèce d'enculé de raciste. Maintenant, il y aura plus de racistes aux États-Unis et j'espère que vous avez bien compris le message, bande d'enculés de cops. J'espère que vous m'avez bien entendu. C'est Trix, mon pote. Tu sais qui je suis. Mais tu pourras pas leur rapporter, mon pote. Tu sais pourquoi tu vas pas pouvoir leur rapporter? Non. Freinez un petit peu. Prépare-toi à descendre, 19. Non. Prépare-toi. Descends. Ils ont quadrillé. Ils ont quadrillé avec votre voiture. I got shot. Viens, dépêche-toi. Tu vas dans la piscine là, dépêche-toi. Family is for life, les man. Mais vas-y, c'est grave. Tous les gunfights, je fais de la merde. C'est un petit, fais pas de conneries, man. Aidez-moi! Ma mère, j'en ai marre, wesh, de serveur! La vie de ma mère, il roule à 3 toi! Attends, tu veux mon sexe? Tu veux une nude, un truc? Eh, man, Pas
Barouat. Cody, dis-moi un truc, on n'a pas un garage quelque part. Rentre à pied, ça, chien. C'est qui est Vas-y, oh, viens, c'est bon, ils m'ont chauffé là, viens. Comment ça, le pistolet? On a que ça, man. À genoux. Alexandre, tu lui mets les menottes. À droite, à gauche, s'il te plaît. Non, descendez pas. Hey, je vais clairement. Descends. Tu respires, genre, voilà, c'est plus. Ah, bête, mais pourquoi tu t'appelles? Moi, tu me parles mal. Y'a des jet skis, man! Y'a des jet skis, man! Les pirates! Ils sont là! Je m'en parle les couilles, man. C'est les pirates de Grove Street, man. Après, on descend des escaliers. Je me tire comme ça, je parle plus. Reincarnated as a motherfucking Mac. 11 cuz in heaven, there's no shortage on G's. I'm telling you now, you motherfuckers don't know me. Don't know me. I ain't scared to die.